Yo YouTube, la forme, les choses se passent. Bon, aujourd'hui, on va tester Voltaire. Hein, Air Voltaire. Bon, je ne l'ai jamais testé, c'est la première fois qu'on va mettre les pieds dedans. Okay. Vous connaissez, moi, c'est moi le QG, c'est la Courneuve. Donc, il y avait plein d'avis sur cette salle, au niveau de la clientèle, au niveau de l'accueil. Donc, moi, je vais faire mon propre avis. Et puis on va voir au niveau des machines. On m'a dit qu'elle est plus grande. On va voir ça ensemble. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si elle est mieux que la Courneuve. Mais j'en doute. J'en doute parce que la Courneuve, c'est du sérieux. Allez, on va voir ça ensemble. Des fois je vais avec des oranges, c'est mieux disposé déjà pour manger, donc ça c'est un point en plus, mais mieux quand même que la Courneuve, parce que c'est des petites tables qu'on a, on verra, nous c'est pas sur ça qu'on juge, on va juger les machines et la salle dans sa globalité, ok, on se retrouve là-bas, je vais manger, on est parti. Et normalement c'est réparti en 4 étages. Et espace lady. Moi j'ai accès, je peux filmer. Encore une chose, espace lady. Ouais, quand même l'espace cardio quand même. Vraiment le truc de faire du cardio, des escaliers, des boutiques, tapis, tout ça rien à voir. C'est un délire. Il y a toutes les machines qu'il faut, ça m'a l'air d'être bien équipé. Ouais. Il y a même des machines qui ne sont pas à la Courneuve. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, tout ce qui est accès pour eux. On va voir. Mais je pense pas que. Je sais pas. On sait pas. J'attends de voir. C'est normalement. C'est level 3, normalement, c'est le prochain. Moi quand même,
y a un espace pour tout ce qui est joueur, ouais. Du street quand même, parce que là, c'est vraiment le un dernier étage encore. 4 étages pour... Plus t'es assorti à la couleur de la salle. C'est pas le même rouge, mais c'est un rouge. Tu l'as fait pour eux, c'est ça? Non. Allez. Par contre, c'est fatigant, les escaliers. Les powers comme moi maintenant, puisque je suis encore parti là-dedans, les streets aussi. Il n'y a pas grand chose. C'est même pour faire du terre, c'est assez petit. Le terre, je pense qu'on va se diriger plus vers le côté body, l'étage au-dessous. Ouais, mais il n'y a pas le tapis, mais c'est le. Il n'y a pas la cage à squat, enfin le petit sol. La cage à squat là, qui permet justement au niveau des rebonds. Bah on va voir, hein. On va se débrouiller. On va se démerder comme toujours. Ouais, je vais commencer à m'entraîner. Je vais suivre la prod. Enfin, moi j'ai un peu de développé couché avec élastique, voilà. Avec rebond. Après j'ai du terre et puis du renfo. C'est une petite séance aujourd'hui. J'ai eu renfo abdo et puis je crois dos si je ne me trompe pas. Je vais regarder la prod. Et puis on va faire un petit truc sympa. On est parti, on est foutu. Je vois quelle machine je vais faire pour les abdos. Et après, je crois que j'ai pas d'extension pour les lombaires. Et puis, c'est bon pour moi. Bon, mon avis sur cette salle, bon, franchement, en termes d'ambiance, ça ne vaut pas du tout la Courneuve. Bon, je pense que c'est pas la même clientèle aussi.
même s'il y a des personnes qui sont de la Courneuve qui viennent s'entraîner ici, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est les salles de Paris en fait, c'est jamais la même ambiance, c'est comme si notre clientèle, donc forcément, c'est pas le même rendu. En termes de machines, tout ce qui est accès body, il y a tout ce qu'il faut. C'est quand même bien spacieux, il y a toutes les machines, il y a toutes les machines que vous voulez. Donc, hormis la belle squat, je crois, et tout, mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Je trouve aussi un peu grand pour rien. 4 étages, pour s'entraîner, je préfère les salles un peu à l'américaine, en fait, avec une salle unique, qui est immense, spacieux, et il y a toutes les machines. Là, les camps, c'est des salles avec des étages et tout ça, moi, je crois que ça me fait bizarre, ça me rappelle trop les salles un petit peu low cost ou les salles un peu de remise en forme. Vous connaissez les salles que je veux, un peu type soit Néonès, il y avait une autre salle que je viens d'obliger. Je crois que c'est Magic Form, je ne sais plus. En tout cas, je vous le dirai en commentaire. Et sinon, voilà, c'est pas, ça va. Mais je préfère comme la Courneuve. Donc, de toute façon, dites-moi en commentaire les salles que vous préférez. Vous préférez entre Voltaire et la Courneuve, donnez votre avis. Et puis voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, activer la cloche. Okay. Toujours le même tralala, mais le même speech plutôt. Mais c'est important. Okay. Sur ce, force à vous la famille. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Tchuss.